Hey guys, welcome back to my channel. If you're new here, my name is Sarah. Welcome. I hope you guys are doing well. So today's video, as you saw from the title, it's a weekend vlog and also like the holiday season in Montreal. So pretty much kind of like a recap of my weekend. Donc ce soir, je rejoins deux de mes amies, Laurence et Mathilde. On s'en va au village de Noël, au quartier des spectacles. Puis par la suite, ça se peut qu'on aille au Christmas Bar. On n'est pas certaine encore, donc on va décider ça après le village de Noël parce que ça ferme à 9h. Donc là, je dois absolument quitter. Aujourd'hui, on est vendredi le 9 décembre. Je parle vite parce que je dois vraiment quitter. Donc, je m'habille, je dois partir. Il me reste 15 minutes pour me rendre chez mon ami pour aller rejoindre mes deux amis. Puis après ça, on va prendre la voiture de Laurence pour aller downtown. Very excited parce que Noël approche à grands pas. Et puis là, j'ai quelques trucs là, pour le restant du mois de décembre. J'ai comme plein de petits trucs. Alors, je pense pouvoir vlog pretty much every week. So at least make a vlog each week of the month of December. Si tout se passe bien. So I'm super excited. J'ai reçu plusieurs paquets, mais là, j'ai pas eu le temps de les ouvrir. Alors, je pense que je vais les ouvrir lorsque je vais revenir ce soir. Donc, c'est ça. Alors, je quitte. Donc, je m'avais pris un petit verre de vin. Alors, ouh, caler du vin, c'est bof. Alors, je me dépêche parce que je ne veux pas être en retard. Guys, I'm back home. Puis là, je me suis dit que j'allais faire un petit unboxing parce que j'ai reçu des paquets aujourd'hui que j'ai pas eu la chance encore d'ouvrir. Donc, on est allé, mes amis et moi, au village de Noël et puis après, on est allé souper. Mais on n'est pas allé au bar de Noël, malheureusement. Donc, peut-être que ça sera pour une prochaine fois ou une prochaine année. Who knows? Mais là, je me suis allée faire un petit unboxing. Je suis vraiment excitée. J'ai reçu, dans le fond, des commandes que j'ai passées lors du Boxing Day. J'en ai profité parce qu'il y avait plusieurs spéciaux. Puis, je voulais vous montrer ce que je me suis procurée. Donc, on commence avec ma commande chez Nuda Canada. Je me suis commandée... Je pense qu'il y avait comme
20%, 25%. Puis moi, j'ai un code promo qui donne 10%. Je vais la mettre dans la description below, en dessous de la vidéo. Donc, j'ai utilisé mon propre code en plus du 20 ou 25% que Nuda offrait. Donc, j'ai pu quand même économiser un bon pourcentage sur ma commande. J'ai commandé, j'ai renouvelé plutôt. Comme est-ce que j'ai commandé la bonne chose? Mais ils ont changé le pack. Oh, manqué, ça vient dans une boîte. C'est comme, oh non, j'ai fait une erreur, mais non. J'ai recommandé My Face Tan Water, qui est l'eau auto-bronzante pour le visage. Puis In the Shade Dark. Je pense que j'ai pris Dark parce que ils ont sorti. Ça le dit même pas. Mais j'ai pris le Dark parce qu'ils ont sorti la version Ultra Dark et ça fait longtemps que j'ai envie d'essayer. Mais là, je me suis dit pour l'hiver, je vais juste prendre comme la version Dark. Puis en été, j'essayerai le Ultra Dark. So, il m'en reste un petit peu. Mais je me suis dit, je vais profiter de la promotion pour juste renouveler. Comme ça, je peux économiser un petit peu d'argent là-dessus. Parce que c'est bien important en hiver, je trouve. Sinon, je suis comme pâle au niveau du visage. Puis, c'est la petite odeur de watermelon, melon d'eau. Ah non, ça a changé. Ben, melon, de melon. Et ça fait un moment que j'ai envie d'essayer leur... que je voulais essayer, dans le fond, leur bronzer. Puis, je me suis dit, you know what, why not? Oh, puis ils m'ont donné un petit échantillon de body shimmer, mais j'ai déjà la bouteille. J'avais fait une collaboration avec eux, puis c'est ça. Donc, j'ai déjà ce produit-là, mais ça, je suis vraiment excitée d'essayer la palette. Mon col roulé, comme ce top-là vient du Aritzia, je l'aime vraiment, mais le col roulé est vraiment mal fait, comme il tombe tout le temps, genre, c'est un peu chiant. Mais bon. Il y a juste une couleur, donc poudre bronzante matifiante. Si je peux l'ouvrir. Oh my god. Mais voyons. Bon. I think I'm just gonna rip it. At this point. Ok. Ça a l'air un peu rosé. Mais c'est ça ici. Sur la caméra, ça n'a pas trop de l'air rosé. Il y a un petit côté comme... un peu rosé. Oh non, non, c'est parfait. Je sais pas si vous pouvez voir. I'm just kidding. Attendez. Je vais enlever ça. Je vais enlever ça de plus proche. Donc, je vais juste comme remettre ma main. Bon, je pense que ça va être super beau. Ok, very excited to... try it on my face, de l'essayer sur mon visage. Avec un petit miroir. Oh mon dieu. J'ai mis du push-push justement bronzant ce matin, puis j'en ai comme juste mis sur mon visage, puis pas sur mon cou. Donc il y a comme une petite démarcation. Mais je portais un col roulé, puis mon foulard, donc whatever. Ok, super excited for that. J'ai vraiment hâte de l'essayer. Mais je pense vraiment que la couleur va être parfaite. Tu mets un petit truc à shell, puis tu mets juste un petit peu de bronzer pour donner un petit peu de couleur, puis... perfect. Maintenant, ma commande de chez H&M. C'est venu en deux paquets, mais j'ai pas vraiment acheté grand-chose. C'est juste que... m'ont envoyé d'autres trucs. Ok, là, je suis vraiment excitée. Attends. Parce que j'ai juste commandé ça. So, what's in that box? That's really exciting. Ok. Anyways, on va commencer avec ça ici. Donc, ça, c'est quoi? I'm like, what? Ok. Ou peut-être par la suite, j'ai commandé autre chose? Non. J'ai-tu commandé des chaussures? Non plus. Ah, je sais pas. Okay. Donc, j'ai commandé justement un col roulé, un peu comme le même style que le Aritzia avec genre des petits, je sais pas comment dire, des petits détails comme ça là, au bout des manches, puis au niveau du col. Donc,
super, il a de l'air super cute puis serré. J'aime ça quand c'est tight, genre, puis tu peux même le mettre en dessous comme un sweater. So, love that. Je trouve qu'il va bien faire. C'est juste un bon basic à avoir. J'ai acheté comme des trucs un peu basic que j'avais besoin. J'ai acheté... Ça, c'est... Je l'ai pris, bon, en small. Et puis, ça dit pas de prix. Ça devait être quelque chose comme 20$ or something. Ça ici, je l'ai pris aussi en small. C'est bon, ça dit pas les prix. Je vous dirai, je regarde ma facture, je vous dirai. Ça vous intéresse. Ça, c'est un sweater, encore une fois, col roulé. Parce que dans le fond, j'ai juste un col roulé. J'ai deux cols roulés noirs, mais un il y a comme un trou. Puis l'autre, ben. C'est toujours bon d'en avoir comme deux. Puis le matériel est super soft. Oh my god, I'm. Ouais. Very happy. Ok, amazing. Love that. J'ai acheté une chemise. Ça fait longtemps que j'avais besoin d'une chemise comme classique, comme everyday. Que je peux mettre juste avec un jeans ou un pantalon plus propre. Puis c'est une coupe droite, tu sais, very comme classique. Puis, non, je pense. Puis un peu plus longue. Donc, love that. Si tu mets des leggings, comme ça couvre. Ok, là, j'adore la coupe. Super. J'ai acheté un petit. Ça, c'est comme le extra. Ça, c'est vraiment comme des basics que j'avais besoin. Là, ben, j'ai évidemment, tu sais, en magasinant en ligne, là, tu vois comme un item que t'es comme, oh, mais je le veux vraiment, mais j'en ai-tu vraiment besoin? Pas vraiment, mais je le veux vraiment. Puis là, comme il y a des sols, fait comme, why not, you know? So, ça, c'est l'item. Donc, c'est un chaquette. J'en ai déjà un de cette couleur-ci qui vient du Zara. Mais ça fait comme, je sais pas, là, un an et demi, deux ans que je le porte. Puis je suis comme, j'ai envie de faire changement, tu sais. Puis les chaquettes sont encore à la mode. Genre carottées comme celle-ci. Ooh, this one is very heavy. It's kind of like a... Encore plus un jacket que lui. Lui, c'est plus comme une petite chemise, si je peux dire, que tu mets par-dessus légère. Mais lui, il est comme actually heavy. Ooh, ça! Comme ça, avec genre des leggings en cuir. Avec la chemise en dessous, puis ça ouvert. C'est un vibe, c'est un vibe. Donc, very happy. Ou ça, comme un col roulé noir en dessous, puis ça par-dessus avec des leggings en cuir. Ou, ouais, mais il est quand même heavy. Mais il est super beau. Ok, nice! Ok, là, guys, je suis vraiment trop excitée. Je veux savoir c'est quoi qu'il y a dans cette boîte-là. Parce que je pense qu'il y a une erreur. I'm very excited! Ok, en moins que c'est moi qui ai comme, qui oublie qu'est-ce que j'ai acheté, mais... C'est pas mon genre, c'est pas comme si je fais plein de dépenses puis que j'oublie qu'est-ce que j'ai acheté. Mais c'est bien mon nom sur la boîte, je comprends pas. Je comprends pas, j'ai acheté des bottes? Qu'est-ce que j'ai acheté? Ah, ben oui! Non, non, je me rappelle. J'ai acheté des petites chandelles. Parce qu'en plus, H&M Home, il y avait comme un petit discount additionnel pour les gens qui sont membres. Donc, j'avais comme un 10% additionnel, quelque chose comme ça. So, je me suis dit, ça fait longtemps que j'ai besoin d'acheter des chandelles. Why not? En plus, c'est comme thématique Noël. Donc, I had to, you know. Puis en plus, c'est des chandelles parfumées. Love it! Donc, j'ai hâte de les sentir dans... En allumer une. Why not? Oh my god, it's like Christmas. Love it! Ok. Oh, ça vient dans une petite boîte comme ça en plus. So cute. Oh my god, elles sont vraiment petites. Oh my god, c'est fou comment ils mettent parfois des photos genre sur leur app pis tu penses que comme c'est plus gros que qu'est-ce que c'est. En tout cas, elles sont vraiment petites, mais elles sont vraiment mignonnes. Mais en tout cas, ils vont pas durer longtemps. Mais je comprends maintenant le prix, tu sais. C'était pas cher, c'était comme 12$ avec 11$. En incluant, je pense, le discount or something. Là, je suis comme 11$. That's a really good price for 4 candles. Je savais qu'il était plus petite que celle, exemple, du Body Shop. Body Shop? Ouais. Mais là, je m'attendais pas à petit comme ça. Il y a comme petit et petit. Ça, c'est comme miniature, genre. But it's okay, it's very cute. Donc, c'est 4 chandelles comme ça ici. Donc, Woodland Stories. Je vais les sentir. Mmm, smells good. It
smells really good. Je pourrais pas vous dire que ça sent, mais ça sent vraiment bon. Ça sent vraiment bon. OK. C'est pas comme une description des candles? Non. L'autre, c'est Orange Saffron. Est-ce que ça sent l'orange? Peut-être un petit peu, mais ça sent vraiment bon aussi. Ensuite, Pistachio Cardamom. Cardamom? I'm not sure how we pronounce that word. Ça sent un peu la vanille, ça. Ça sent bon. Vraiment cute en rouge. Love it. C'est un cute coffret. Cute coffret à aussi donner, offrir en cadeau. T'sais. Ça, c'est Winter's Eve. Ça sent un peu la cannelle. J'adore la cannelle. Non! Oui, ça sent la cannelle. J'adore la cannelle, mais ça sent very sweet. La cannelle, mais... En tout cas, ça serait peut-être my least favorite scent, malgré que j'aime la cannelle. Juste pour vous donner une idée. Anyways, super happy with my purchases! Je vais essayer le jacket. Je vais en mettre une dans ma salle de bain. Ok, super cute! Oh my god! Ok, je vais essayer le jacket. Oh, c'est des snaps! Je l'ai pris en size small, mais il venait comme... J'ai l'impression qu'il est comme oversize. Ouais. Ooh. Ok. C'est cool ça avec des leggings. La grandeur est bien. J'aurais pas pris plus grand. Ok, amazing. Avec ça en dessous. Laissé ouvert avec des beaux leggings encore une fois. C'est genre 20 fois que je le dis. Avec des belles bottes ou genre mes Converse noirs. It's a vibe. Love it. Well, I'm super happy with my purchases. Demain on est samedi, je travaille. Puis en revenant, je pense, les plans sont pour le moment, à moins que les plans changent, mais les plans sont pour le moment que je vais bake. Now, what am I gonna bake? Not sure yet. Peut-être des sugar cookies, puis genre je vais les décorer. Ou je vais faire des desserts que je compte faire dans le temps des fêtes. Ça se peut aussi. So, ça reste à voir, ça reste à être confirmé. On va voir ça demain, après le travail, dans quel mood que je suis. Mais vraiment heureuse de mes achats. Je sais pas si vous avez participé. What the heck am I saying? Je sais pas si vous avez profité des soldes du Black Friday. If so, let me know where you guys shopped. Je suis toujours curieuse de savoir, de connaître les magasins. Où est-ce que vous aimez magasiner? Parfois, tu sais, on peut oublier certains magasins, puis là, on se dit, ouais, j'aurais peut-être dû aller regarder à cette boutique-là. Donc, always fun to share information. So let me know in the comments if you feel like it. Hey guys, donc on est samedi, je viens de revenir du travail, j'ai mis mon nouveau petit jacket avec mon turtleneck, puis là ben, j'avais envie de mousseux, donc je vais m'ouvrir une petite bouteille. Puis guys, je l'ai dit dans toutes mes vidéos, peut-être pas tout ça, mais un petit truc, si vous regardez les bulles d'une bouteille de genre Prosecco ou de mousseux, champagne, peu importe, vous mettez une cuillère en stainless. Donc le stainless va empêcher les bulles de comme s'évaporer. Donc ça conserve le pétillant du mousseux. Un petit truc. Cheers au temps des fêtes. Bon, pourquoi pas. Cheers au week-end. C'est samedi, donc moi demain, dimanche et le lundi, c'est mes journées off. Donc demain, j'ai off. Alors ce soir, c'est ça, je voulais faire un peu du dessert. Je vais m'asseoir. Je vais faire mes ongles aussi. Demain, je vois mon ami Maude. Je sais pas trop ce que je vais me faire à souper. Demain, j'ai plein de ménage à faire. Mais
ce soir, ça va être une petite soirée tranquille, relax, solo. Donc là, je pensais peut-être essayer le bronzer de Nuda que j'ai développé hier et j'ai reçu là. Ouais, j'ai envie de faire ça. So, si jamais ça vous intéresse de le commander, ben n'oubliez pas que vous avez mon petit code de, avec lequel vous pouvez avoir 10% de rabais. C'est toujours, you know, some money off. Why not? J'adore le mousseux là. Hier, je pensais pas vous l'avoir dit, mais lorsqu'on est allé au village de Noël, my god, il faisait tellement froid. Donc on a fait un peu le tour, mais sérieux, on a regardé les kiosques, mais je veux dire, on n'a pas acheté quoi que ce soit ou juste comme sortir tes mains, tes poches. Genre, on avait vraiment froid là. Il faisait vraiment froid à Montréal hier, donc on a fait le tour, c'est vraiment le fun. Mais c'est très bref. Chose à quoi je m'attendais là, c'est ce genre de truc là, c'est jamais très très long, tu sais. Mais c'était le fun de juste comme sortir de la maison, d'être comme dans un univers, je peux dire, festif du temps des fêtes. Donc je pense qu'on va essayer le bronzer, puis je vais vous montrer ça. La seule petite chose, c'est que l'éclairage dans ma salle de bain est comme pas super, mais bon. Puis là, avant de mettre du bronzer, juste comme me remettre un petit peu de concealer, comme tant qu'à faire les choses, on va bien les faire, you know. Donc je vais aller chercher mon concealer, mais là on dirait qu'aujourd'hui je trouvais qu'il était comme trop foncé. Je sais pas là. Je pense que j'ai envie de comme essayer les autres que j'ai, voir. Ça, ça devait être trop foncé. Puis là, je sais pas pourquoi. Oh! Trop pâle. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais j'ai perdu mon Beauty Blender. Je suis vraiment pas du genre à perdre mes trucs, comme vraiment pas. Mais j'arrive plus à le trouver, je comprends vraiment pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, je vais m'en commander un autre, c'est pas grave. Mais je trouve ça juste vraiment weird. Bon, j'ai l'autre ici, je sais pas si ça va être trop pâle ça aussi. Ça c'est le concealer de Sephora. Mais là peut-être que ça pourrait fonctionner. Étant donné que je trouve que l'autre, je sais pas, est un petit peu foncé. Là je fais ça avec mes mains parce que j'ai pas de... Je sais pas où mon beauty blender. Ok, ce soir je n'arrive pas à parler, je ne comprends pas. J'arrête pas de bégayer, c'est vraiment gossant. Puis il faut que je mette la crème bronzante sur mes mains. En passant, je me suis mis du gel. Puis ce gel là, je suis comme allergique. Puis ça me fait comme... Ça fait genre un mois et demi que j'en ai mis. Puis que j'ai dû l'enlever. Ça me fait comme piquer les mains, les doigts. Puis ça décape toutes mes ongles. En tout cas, c'est dégueulasse. Donc là, ça, j'attends que mes ongles poussent un peu et tout pour que vraiment tout ça s'en aille là. Mais moi, j'ai genre tout le temps comme les ongles comme... Je sais pas comment dire, mais tout beau là. J'ai jamais de trucs bizarres comme ça là. Ça a vraiment magané mes ongles. Puis là, ben, ça a l'air comme... J'ai l'air d'avoir comme des champignons, même si c'est pas des champignons là. Je sais pas, c'est juste vraiment weird là. Donc ce soir, je pense que je vais mettre un petit peu de... Je vais me faire les ongles pour que ça soit plus cute là, parce que ça fait un petit peu dur là. J'ai été prise avec ça pendant genre ça fait déjà comme un mois et demi que j'ai retiré le gel, puis mes ongles comme faut vraiment qu'ils poussent au complet, j'ai coupé et tout au complet pour que ça s'en aille. On est quasiment à la fin là, bientôt j'aurai plus tout ça sur mes ongles. Ah non, ce concealer là ça fonctionne bien là. Bon, c'est sûr que là c'est pas l'idéal avec mon doigt. Ah, c'est vrai, mon four est encore on. Je vais me faire des petites frites congelées, genre 5 minutes. Je vais juste aller comme le fermer parce que c'est un peu dangereux. Mon doigt, j'étais un peu genre fatiguée. J'ai envie de comme relaxer, tu sais. Me mettre en pitch, regarder un bon film de Noël peut-être. Mais on dirait qu'il n'y a rien de bon sur Netflix. Comme il n'y a même pas de Holiday, mais j'ai tellement vu plein de fois aussi que genre. Hein. Mais comme. Je sais pas, puis j'ai regardé sur YouTube. Puis on dirait que j'ai regardé tous les films de Noël comme quasi possible que j'ai pu trouver sur YouTube. Puis là, ben c'est ça, j'étais à court de films de Noël à regarder là. Donc si jamais vous avez des, je sais pas, des recommandations, well, let me know in the comments below. Maintenant, by the way, je sais pas qu'est-ce que vous utilisez comme blush. Moi, j'utilise lui de Milk ou sinon j'en ai de MAC que j'aime beaucoup aussi. Mais j'arrête pas d'entendre des TikTokers ou influencers que genre je follow qui parlent du... évidemment, là, je trouve plus le nom.
Ah, shit. De Rare Beauty. Rare Beauty de Selena Gomez. À ce qui paraît, c'est vraiment comme du bon make-up qu'avant. Puis, je suis vraiment genre curieuse d'essayer. Puis, tout le monde parle du blush qui s'appelle Happy, in the shade Happy. Puis, j'ai vraiment envie de l'essayer. Si jamais vous l'avez déjà essayé, let me know in the comments how you guys like it and if I should buy it to give it a try or not. Mais il me tente. Mais tu sais, j'ai quelques blushs là, tu sais, c'est pas nécessaire, mais... Puis it's a liquid one, puis t'as pas besoin d'en mettre beaucoup, puis comme ça fait super beau. Donc, on arrive à la partie intéressante. Si je peux trouver le pinceau, bon. Oh my gosh, je suis excitée. On dirait que genre je l'applique pas bien. Ok, guys, je pense que c'est un vibe. It's hard to say. Sur la caméra, puis on dirait que j'ai comme tellement mal mis. Oh my god, ouais, vraiment ici. Mais c'est pas, c'est comme pas vraiment la bonne luminosité ici. Le bon éclairage, faudrait que j'aille chercher mon ring light pour avoir comme une meilleure idée de si la couleur est bonne ou not. Mais je pense que j'ai juste comme mal appliqué là, parce que je me maquille comme à moitié là, mais je pense que je l'aime. Ben, amazing, super happy. Maintenant, je pense que je vais me mettre en mou, puis peut-être faire les cookies tantôt. Je sais même pas si ça me tente. Bref, je me sens un peu genre comme plate à regarder parce que je suis comme pas genre hey super énergique genre. Donc je me dis que je dois être plate à regarder quand t'es un peu genre pas down, mais juste comme je me sens juste comme j'ai envie de m'écraser, tu sais. Bref, donc je pense que j'enlève mon jacket, me mettre en mou, puis là changer de comme emplacement parce que la luminosité est vraiment laide là. Oh, on voit vraiment mieux ici. Attendez, je vais allumer la lumière. J'ai pas de mascara, j'ai pas de rouge à lèvres, j'ai pas fait mes sourcils, mais on voit un peu mieux pour le bronzer. Puis je pense que j'aime ça, guys. Je l'ai juste comme un peu mal mis. Puis, c'est ça, mon cou est toujours un peu plus pâle que mon visage. Il va falloir que je mette un petit peu de face tan water afin d'uniformiser le tout. Mais là, je pense que je vais relaxer. C'est ça, je vais sûrement éditer des vlogs ce soir. Ouais, je pense que je vais faire ça puis mettre du vernis parce que... Ben, ça serait bien, là.